rise on the hill. Catch the breeze and the daffodil. Catch the breeze and the wind. I say, yeah. Buona. Una bella. Van Gogh. What you try to say to me. Okay. How you suffered for your sanity. And how you tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue. Morning fields of amber grain. Weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. Yeah. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget. Like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes. A silver thorn, a bloody rose. Lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the windshields. And the colors on the snowy linen land. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflecting Vincent's eyes of
shine a blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. Lieu très symbolique. Au début, j'avais beaucoup de mal. Je n'arrivais pas. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Là, on est sur des feutres, excusez-moi. Non, bombe et feutre. Bombe et feutre. Je n'aime pas trop le passo, moi. Le passo, c'est le Posca. C'est ça, non, c'est le bombe. Posca, ouais. Le Posca, ouais. La marque, en fait. La marque, des gros feutres. C'est une marque à peinture, quoi. Mais ça fait depuis 30 ans que tu dis ça. Hein. Ça existe depuis, bah, depuis le pain. Hein. Au début, ça servait pour taguer, je m'en rappelle. C'est gros, là. Avant, ça servait pour taguer. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy land. Now I understand what you tried to say. On a demandé depuis 30 ans déjà à toi, qu'est-ce que sont tes sentiments quand tu penses à 25 ans? Quand je pense à lui? Oui. Ben, il y a beaucoup de sentiments, quoi. Déjà, je me reconnais un petit peu en Vincent Van Gogh, dans ses écrits, dans tout ce qu'il a écrit. Il y a des choses qui me parlent. Je pense j'ai un peu le même caractère que lui. Après, les lettres, sa vie, elle est quand même particulière et très intéressante. Je trouve qu'il a un destin qui est touchant, quoi. Déjà, il y a ça. Et puis, comme j'ai peint dans les mêmes endroits que lui quand j'étais jeune, ça a créé un lien. Et voilà, du coup, j'ai commencé à étudier Van Gogh. Et maintenant, ça fait 30 ans que j'étudie Van Gogh. J'ai rencontré presque tous les spécialistes du monde, tous les spécialistes. Donc, il y a quelque chose. Et si vous voulez, pour moi, Van Gogh, il peignait dans la rue. Et nous, aujourd'hui, les graffeurs, on peint dans la rue, 100 ans après lui. Je pense que s'il n'y avait pas eu les impressionnistes, il n'y aurait pas le graffiti. Ah bon ? Bah oui, car le graffiti, il est né avec la bombe de peinture. Et l'impressionnisme, il est né avec les tubes de peinture. S'il n'y avait pas les tubes, les gars n'auraient pas pu peindre dehors. On est d'accord ? Et la bombe, c'est pareil. S'il n'y avait pas la bombe pour peindre très vite sur un mur, on ne peindrait pas les murs. Je pense que le graffiti est la suite de l'impressionnisme. La deuxième question, pourquoi tu as fait 130 tableaux? Il y a plusieurs raisons. Déjà parce que c'est les 130 ans, et parce que Van Gogh a écrit que quand on fait le portrait d'une personne, on peut faire 100 portraits différents, ce ne sera jamais le même. De la même personne,
parce que l'artiste met en même temps son psychisme dedans, son intellect, voilà, il y a une partie de l'artiste qui est dedans. Donc forcément, quand on fait 100 fois le portrait d'une personne, ça ne sera jamais le même. Il y a ça, il y a aussi le fait que j'ai arrêté de travailler avec les grosses galeries internationales. Et du coup, j'ai dit, pendant 2 ans, je ne vais peindre que Van Gogh. Pour moi, je n'avais même pas de projet d'exposition. J'ai dit, je vais peindre 130 portraits alors que je n'avais même pas de projet d'exposition. Je n'avais pas de galerie ou de gens, j'ai dit, je vais les peindre. Et voilà. Mais aussi à l'occasion de 130 années de son décès. Oui, c'est ce que j'ai dit au départ. J'ai commencé par ça. Silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the fields. Het is niet niks wat wij hier mogen hebben. Dus wij zijn enorm dankbaar dat wij dat hier vandaag hebben. We zijn heel blij dat u dat allemaal met ons wilt meemaken vandaag. Maar wij zijn natuurlijk verrekkers blij. Dat kunt u zich voorstellen. Ik heb voordat we beginnen... I got a present for you. Pour les avants en pour les parents. All about you, Ned. This is for you. Don't drink it at once. Pour les parents en pour les avants. Très gentil. Thank you for making this possible. Ook nog wat. Ik was niet alleen onder de indruk van zijn werk toen ik bij hem was, maar ook over de snelheid van zijn praten. Ik praat snel met deze man. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Het meest bijzondere, en ik kijk toch meer wat artistieker naar de werken. Het meest bijzondere is de gemoedstoestanden door de ogen van Arnoud naar Van Gogh. Ik vind het heel knap om 130 expressies te zien in 130 werken. En ook met verschillende technieken. De ene is een collage techniek, de andere is een spraypint. Dus het is heel gevarieerd. Dus tegelijkertijd met deze expositie bieden wij het aan op een platform, een internationaal groot platform. En daar worden de kunstwerken tentoongesteld. Dat is zowel in Azië als in Amerika. De website heet Archie.com en die heeft, as we speak at the moment, een livestream lopen van 23 van zijn werken op de homepage. En dat is heel mooi, want dan ziet heel de wereld zijn presentaties. Kees wilde nog even wat vertellen over zijn kennismaking met de kunstenaar. Ik sluit het hierbij af, maar hoop u straks nog even te spreken. En als u toelichting wil, dan kunnen we dat proberen samen met de kunstenaar te doen. Of dat ik misschien persoonlijke visie op de werk geef. Reflect in Vincent's eyes of China blue. Colors changing hue. En zo is hij zijn hele leven met verworven. Dus dat komt hier, denk ik wel, tot uitdrukking. Wie maakt er nou in hemelsnaam 130 portretten van Vincent van Gogh aan een hoofdvenster? Daar moet je. Daar moet je. Ja. What you tried to say to me. Een beetje gek zijn, dan moet je een beetje. Je wij hebben hem net gevraagd, wordt het je niet te veel, al die media van Middenhal? Oh, zei hij, I love it, al die aandacht. Dus hij is bereid om met u te spreken. Geniet u ervan. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met, the ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow.